Salut, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai trouvé sur la carte, il y avait un temple et tout. Alors apparemment, il y a une grotte et puis bah il y a un bouddhiste dedans et tout. Puis, je me suis dit, ah, vas-y, on y va. Il y a 100 bornes, 2 heures de route quand même en moto. Et puis bah, je suis arrivé là et puis bah c'est perdu dans la jungle. Il y a, je vous fais voir, il y a vraiment rien. C'est ce que je veux dire. C'est complètement perdu. J'ai vu un mec, mais j'ai même pas osé lui parler parce que bah voilà. Et je me suis dit, bon bah après j'ai vu un petit chemin et je me suis dit, bah je vais le faire en même temps que vous. Je flippe ma race en même temps, je suis tout seul. J'ai vu un petit chemin et je me suis dit, vas-y, de toute façon, on va voir. Au pire, c'est beau. Les toilettes, les douches. En même temps, ils vont pas, je vais pas me faire agresser dans un temple. Mais, oh la fâche. Franchement, vraiment, je le fais en même temps que vous. C'est, je vous mettrai le lien sur la carte. C'est vraiment, les routes, la route était défoncée et tout. Et on arrive dans un endroit, c'est oufissime. Je vous promets, je pense que ça méritera que je vous fasse d'autres vidéos pour quand on traverse la Thaïlande et tout, mais les paysages... c'est un câble électrique. Les paysages changent, mais vraiment du tout au tout. Ah bah c'est là, putain. Oh, j'ai bien joué. Hein. J'ai été bon. Hein. Ah, j'ai été bon, la vache. Ah ouais, fallait juste suivre le... En fait, parce que Tari, c'est une espèce de maison et tout, donc bon, bah, je passais par derrière, je me suis dit, bon, en même temps, c'est là. Il n'y a pas marqué propriété privée, donc je me suis dit, bon, on va suivre ce petit chemin. Et on arrive, voilà, on arrive là-dessus. Non, non mais on ira là après, mais c'est ce que je veux dire. Oui, c'est vrai qu'ils ont câblé, il y a un peu l'électricité. Attention la marche. La vache. Alors, je parle doucement parce que je suis tout ému. Tu vois, on est vraiment... Je vous mettrai le lien sur la carte. C'est pas très loin, il n'y a que 2 heures de route. Mais c'est oufissime. Tu arrives vraiment dans des endroits qui sont juste magnifiques. En plus, bon, on a du bol aujourd'hui, je veux dire. Il fait pas excessivement beau. La vache, c'est joli. Hein. Oh, dans la montagne comme ça et tout. Avec la petite. On entend l'eau couler. Hein. Je me demande si ça mériterait pas de. D'ailleurs, bon, on va aller voir là-bas. Alors, on est en 4K 30 fps et il fait moins chaud aujourd'hui. Donc, en théorie, la caméra devrait pas les céder. Alors, on va rentrer. J'espère qu'on dérangera personne. Putain, on se croirait dans Bird Box. Incroyable. Bah, je pense que là, franchement, bah, j'ai roulé. Hein, donc, on la mérite un peu, notre découverte du dimanche. Mais alors là, putain, j'ai envie de dire, bah, punaise, j'ai envie de dire, bonne pioche. Hein. Oh, la vache. Non, mais regarde un peu ça, regarde. C'est tout. C'est pas, en plus, on n'est pas dans un parc d'attractions. Donc, tu rentres par là. Tu sais ce que je veux dire? Tu rentres par la petite cavité, là. Waouh. Génial. Vraiment, là, waouh. J'espère que vous allez... Vous allez kiffer autant que moi, mais c'est magnifique. Non, je suis tout seul, il n'y a pas un touriste, c'est tellement loin. C'est tellement loin dans la jungle que je pense que même les Thaïlandais ils viennent. Bon, une fois, mais tu ne viens pas tous les week-ends. Et du coup, il n'y a pas de touristes parce que les routes sont fracassées. Putain, avec le XADV, j'ai eu peur de perdre un pneu. Hein. Et. Oh là. Non, regarde là-bas. Non, mais regarde là-bas. Voilà, c'est juste magnifique. On peut monter parce que normalement faut enlever les chaussures et tout, donc on va juste rester devant dans le... Je voudrais pas me prendre le mauvais karma parce que je suis monté sur le truc, hein. Après je retourne en moto. Oh la vache, c'est magnifique. Attends, mais il y en a là-bas, faut que j'aille voir. Attends, on va tout voir, on est là pendant un petit moment. Il fait frais là, on est dans les montagnes. La GoPro, comme je suis juste en 30 fps, elle chauffe pas trop, mais c'est dingue. C'est vrai. Dingue. J'ai vu ça sur la carte, mais c'est vraiment... Quand je vous dis, c'est le karma, c'est... Là, tu vois un truc, putain, je flippe ma race parce que je suis tout seul. Le moindre truc qui bouge, je peux me pisser dessus. Toi, là aussi, oh là là, oh là là. Ah, mais là-bas, regarde. Mais regarde là-bas, tu vois, dans le noir, là-bas. Ils vont te mettre des petites statues. Là, il y a un truc de bouddhiste. Alors, apparemment, quand c'est des bouddhistes qui sont connus, enfin, qui sont respectés et connus... Ils reprennent les linges et tu peux les garder et j'ai presque envie de la battre sous, mais bon, faut respecter, hein, faut quand même. Toi, c'est un peu le leitmotiv, c'est bon. Je veux dire,
c'est moi qui marche sur les feuilles. Bon, tu peux rentrer, tu peux voir, tu peux tout voir, mais... Donc on va faire une petite pause là, je vais vérifier que ça a bien enregistré le son. Et... Allez, nous voilà. Bon, moi j'ai vérifié. Oh, j'ai eu peur au début, c'est... j'ai cru que j'avais pas de son. C'est quand même un peu dommage. Dire, c'est aussi un peu ça, c'est vraiment de partager ça en direct avec vous. Mais non, mais là-bas, je veux dire, là-bas avec les escaliers, mais on se croirait dans Indiana Jones. Attends, on va regarder quand même ce qui se passe là. Putain, mais c'est... Oh là là, la vache, mais on peut rentrer là-bas et tout. J'espère que t'es comme moi, derrière ta caméra. Et tu, moi je jubile, tu vois ce que je veux dire? C'est dingue, mais là attends. Je veux dire, il y a une grotte. Oh, c'est. Je suis comme un dingue. Je vous promets que je suis comme un dingue. Je suis comme un mec, tu sais, qui découvre le. Un truc des Templiers. Attendez, on va rentrer là. Tu vois ou pas? Tu vois rien. Ça rentre dedans, mais alors. Là, j'ose pas rentrer parce que bon, il faut quand même. Déjà, parce que je suis pas très courageux. Et ensuite, je suis très respectueux. Non, on va dire comme ça, on va dire que je suis très respectueux. Oh là, nom de Dieu. Ah, bah non. Le bruit et tout, et ça va des crapes? Ouais. Here, Ken? Oh, ouais, wasn't it? Alors, je veux dire, là, le mec, il vient. Chose? Non. Ok. Bon, me revoilà. Donc du coup, je suis sorti du temple. C'est des fois quand je vous parle, voilà, il y a vraiment des fois des choses au niveau du karma. C'est bon, t'arrives, voilà, bon, t'arrives, t'es tout seul. Donc, bon, c'est vrai que maintenant qu'il y a du monde, je suis un peu plus rassuré. Mais t'arrives, t'es tout seul et vas-y. Bon, t'es là. Je voulais pas trop rentrer parce qu'on entend des bruits, il y a des chauves-souris dedans et tout. Et le mec il vient, il dit, je t'ouvre et tout. Enfin, donc je suis plutôt content. Donc voilà, on est rentré et. Après, j'ai fait un peu de, pas de méditation, mais j'ai fait ma petite prière quand même, parce que là, on est quand même dans un... Le lieu est chargé, parce qu'on est vraiment entre les montagnes, et c'est juste magnifique. Non, mais regarde, regarde où on est, regarde, on est dans le creux de machin, là, d'une montagne, et c'est magnifique. En plus, il y a les Bouddhas et tout, là, l'entrée, tout est... Donc, il nous a ouvert, bon, voilà, donc je suis monté, j'ai fait ma prière, forcément... histoire de respecter un peu, même si, bon, l'histoire de Dieu, on est bien d'accord que, bon, après, chacun en prendra ce qu'il veut. Mais, et donc, du coup, il était très... en fait, il est venu, mais à la fin, il m'a remercié, il me dit bravo, quoi, il m'a fait, tu sais, genre, c'est cool et tout, parce que tu peux venir. Après, il faut pas venir comme un touriste, c'est qui vient, je vais pas dire pour piller, mais en mode licheur, c'est-à-dire que tu viens et que tu viens juste pour filmer, faire une vidéo, je veux dire, faut respecter le lieu et... il faut kiffer quoi, mais c'est oufissime. Donc du coup, bah, vous aurez peut-être vu, oh, j'ai pas osé trop filmer parce que c'est. Il m'a pas dit non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est
il faut un petit peu faut mixer entre bon un petit peu quand même mais pas abuser en disant allez on va aller là-bas dessus et je vais me faire une FAQ au milieu des temples mais on dira super héros avec sa cape et tout et voilà donc tu rentres on a filmé un petit peu ce qu'on a pu on a filmé les bouddhas et tout mais le lieu est énorme c'est oufissime regardez ils ont mis des petits bouddhas dans les le lieu est atomique vraiment je suis super content déjà pour moi parce que ça fait oh là avec le petit pont et tout là-bas ouf déjà parce que c'est très beau et je suis quand même plutôt content parce que c'est juste un lieu qui est exceptionnel c'est ce que je veux dire c'est là t'es au milieu des montagnes et tout avec les temples et tout après on a pu rentrer dedans et tout enfin il y a une espèce de petite chapelle c'est pouf c'est je suis plein d'émotions pour de vrai et tu vois donc là regarde tu vois on voit encore qu'il y a il doit y avoir des trucs là j'espère que c'est pas les toilettes attends faut que j'aille voir faut que j'aille voir ça m'intrigue trop parce que ouais ils ont construit un truc là c'est le local ouais c'est le local technique il n'y a rien de ouais quand même non mais tu vois c'est quand même en dessous de la montagne hein. C'est quand même en dessous de la montagne mais ils ont fermé pour pas mettre oh la vache il y a de je sais pas de l'or hein, vous emballez pas mais alors des fois il y a des poissons oh, je vais mettre la GoPro dans l'eau mais non oui cette GoPro on peut la mettre dans l'eau mais quand je mets le micro non ah Ford Ranger et là on arrive alors je suis pas arrivé peut-être. En fait je pense que je suis vraiment pas arrivé par le bon endroit je suis arrivé complètement par la route moi enfin, je savais pas après le but c'est de découvrir un peu non mais oh la vache je mets les lunettes de soleil quand même pas mes lunettes de soleil mes lunettes jaunes et après alors voilà pour l'histoire après moi en fait sont arrivés des gens des thaïs qui ont été mais je vais pas dire sidérés mais tellement étonné que je sois en mode pas en mode lotus mais en mode prière toi je veux dire c'est tellement un lieu qui est apaisant et tout enfin t'es là d'ailleurs pas un son en plus ils demandent bien de pas parler t'es accroupi t'es là et tout enfin tu sais tu ressens un peu des choses quand même hein, qu'on y croit et qu'on y croit pas c'est des lieux qui sont chargés d'histoire lui c'est notre guide voilà. Donc on est venu et puis après ils étaient étonnés. Regarde ça, comme c'est cool. Donc là, on donne bien sur le rocher de Monaco. C'est oufissime. On se fait le petit pont, pas ? Parce que bah, il était devant. S'il était devant, toi, c'est un signe. Le mec, il écoute. Il voit des signes partout. C'est un signe. Il est passé là pour nous dire, viens ici. Oh la vache. Bon, et là, t'enlèves la route là-bas avec Photoshop. Tu gardes que les nénuphars, là, comme ça, regarde. C'est beau. Voilà. Donc voilà, encore une fois, le but de venir et de respecter et de... Déjà, il faut se faire bien voir au niveau de Bouddha parce que bon, en moto, les routes sont déjà assez dangereuses. Et ensuite... J'y vais, mais je suis un peu con quand même. Je suis pas fier. Je me sens pas... Il manque des lattes, là. Non, ça, c'est solide, dit-il, pour ça, pour me rassurer. Enfin, attention qu'il n'y ait pas de singes. Alors, il y avait un truc, on verra, au retour, là j'ai roulé quand même un peu, hein, pas fort, mais j'ai roulé. Alors j'ai pas fait de petite pause et tout. Tout d'un coup, je me suis arrêté mettre dans une espèce de petite station, j'aurais dû vous faire voir, le mec, il avait une espèce de bidon, il a mis 100 bahts d'essence parce que j'ai eu peur d'être un peu juste. Ah, c'est joli, bah, après bon là, bon, il y a la route et tout, donc bon, ça casse un peu le mythe, mais il y a pas mal d'endroits sur la route où il y a marqué, il y a un temple à gauche, il y a un truc à droite et tout. Alors des fois, c'est des petits trucs, tu vois, c'est pas exceptionnel. Puis des fois, c'est magnifique, quoi. Voilà. Bon, au pire, je filme. Hein. Si je meurs, vous aurez des images. Vous aurez des rushs. Ah, mais là, on est de l'autre côté. Ça m'arrange pas. On n'est pas du tout... J'entends la route. Donc au pire, on reprendra... J'aurais bien aimé... Ah ben non, toi, je suis... Eh ben non, monsieur, je suis arrivé par là. Qui c'est qui me touche? Ça y est, chasseur de fantômes. Qui c'est qui me touche? Non, c'était une espèce de moustique là qui est venue, qui voulait me pomper mon sang made in France. Oh, c'est magnifique, vraiment. On est vraiment dépaysé. Donc ouais, je suis passé par là moi après tout à l'heure, je crois. Oh, putain, je suis paumé. Ça y est. Je crois que j'ai tourné parce que je suivais là. Je trouvais la colline, mais je suis content de retrouver la colline comme ça en si peu. Là, c'est la route. Putain, je viens d'où? Pas de là, c'est sûr. Ah non, moi je pense que j'ai coupé par là, attends.
Ça y est, il est perdu. Non, mais là, au pire, il y a la route. Là, non. Non, mais je suis pas arrivé par là, hein, par la montagne et tout. Si, attends, fais voir. Fais un replay des images. Oui, non, parce que je suis bien arrivé par là. Est-ce qu'on se ferait pas le tour à droite, là, pour voir ce qu'il y a? Parce que là, bon, on a fait, tu vois, on est rentré et tout. Ah ben, on vient de par là. Oui, ben oui, les câbles. Et oui, tu vois. On dirait la vidéo d'ici Japon, c'est quand il est perdu dans les grottes et tout. Magnifique. Pas perdu en plus. On va reprendre la route. Oui, moi j'espère que tu es comme moi. 4K 30 fps, la caméra m'a pas fait de coup de surchauffe. En même temps, il fait un peu plus frais ici, il y a moins de soleil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je pense que c'est un peu ça le samedi. Je prends la moto, alors j'ai pas préparé, je sais pas quel est le lieu, je sais pas, machin et tout. Alors j'ai vu qu'il y avait une piste d'hélicoptère à côté. Alors j'ai lu sur les... Comment ça t'en dit? C'est peut-être une ancienne base ou un truc de l'armée, tu vois. Attends, je te fais voir. Le ciel hostile, les trucs qui tombent. Mais après, c'est le hasard, on est d'accord. Mais tombe sur la gueule, je veux dire. Il y a un petit bout de bois. C'est, t'imagines c'est beau, hein, c'est beau. Non, mais voilà. Après, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais voilà. Donc, vous emmenez voilà dans des lieux où, à l'aventure, bon, ça peut être bien, ça peut être moins bien. Là, aujourd'hui, attention, hein, je te filme. Là, aujourd'hui, c'est atomique. Oui, donc, ben, ils vivent là, toi, dans les... Oh, la vache. Alors, je peux pas vous en faire voir plus. Enfin, c'est toujours pareil. C'est, j'ai deux types de commandes pendant qu'on essaie de retrouver la route là-bas. C'est deux expressions que j'aime bien. C'est soit le chat qui se mord la queue, soit le chien qui se lèche les couilles. C'est le chat qui se mord la queue en disant bon bah oui, moi j'aimerais bien en faire plus, mais bon après bon pour l'instant on n'a pas des vues. J'ai bien envie d'aller là-bas pour voir. On n'a pas des vues de dingue, donc je vais pas non plus rester. Faire deux heures de film, de montage, des plans avec de la musique, machin et tout, machin. Et puis d'autres vont me dire, oui, mais enfin, si tu veux plus de vues, il faudrait passer plus de temps et passer plus de boulot pour le montage. Ça, c'est l'expression le chat qui se mord la queue, d'accord? Et après, la deuxième expression que tu vas vachement adorer, c'est qu'en fait, quand tu regardes, tu te dis, c'est pas si facile à faire que ça. Alors, tu t'imagines le chien en train de... Voilà, tu regardes et tu dis c'est pas si facile que ça. Et là, voilà, les vidéos c'est pareil. C'est qu'en fait c'est du taf, c'est de la route, c'est du taf. Après mine de rien c'est du montage, même si je fais tout en un plan, c'est... Plus ma race pour qu'il y ait du bon son parce que GoPro c'est pas terrible. J'ai quand même pris ma caméra Sony 4K que j'ai laissé dans la moto que j'ai pas fermée, bien évidemment, comme ça au moins... Voilà. Et voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, comme toujours, amour et partage. Mettez un petit like, ça vous coûte rien et moi ça me fera vachement plaisir. Mais ils sont combien là? Non mais regarde le nombre d'éviers, on se croirait dans un camping paradise. Il y a des poissons ou pas? Fait que tout voir. Il y a des poissons ou pas? Allez, il y a des petits poissons. Hein. On les voit ici, il y a des petits. Tu vois? Ils sont tout petits hein. Tu peux laisser un like, tu peux partager ces vidéos sur les réseaux sociaux, tu peux me dire ce que t'en as pensé. Est-ce que tu trouves que c'est trop bien et ça a fait ton dimanche? Si ça a fait ton dimanche, ça a fait le mien aussi. Hein. Parce que vraiment, moi ça fait mon samedi déjà. Et après, si ça peut vraiment vous faire kiffer, alors après, il y a plein de trucs à visiter, c'est oufissime. Alors après, il faut peut-être essayer de sortir un peu des sentiers battus, des temples. Pas dire que tout le monde connaît, mais bon, que tu vois sur un endroit et que tout le monde va à leur centre de Pattaya, bon bah t'as rien vu, mais d'aller un peu dans la jungle, rouler un peu. Il y en a un autre sur la route, là j'ai vu à gauche, il me reste à peu près assez d'essence, j'ai vu qu'il y avait une espèce de mec avec un bidon qui mettait de l'essence là-bas, donc au cas où, et après Esso, il doit y avoir 30 bornes, donc j'ai vu qu'il y avait un Esso à 30 bornes, donc il me reste 3 points, 2 points, ouais 2 points. On va rentrer tout doucement. Il m'a fait peur. Ben ouais, je sais bien. Ben ouais, oui. Non, mais c'est bon. C'est pas grave. J'ai eu aussi peur que toi. Ouais, mais il a eu peur. Mais moi aussi. C'est bon. C'est bon. On est d'accord. C'est bon. Je suis d'accord. J'ai eu peur aussi. Mais c'est bon. Ok. Je prends ma moto. Je m'en vais. Oui, c'est bon. Allez. Au revoir. La prospérité. Ne me mange pas.
Oui, je m'en vais, c'est bon. Moi aussi j'ai eu peur. Voilà. Bon. Voilà. Là, la piste d'hélicoptère, elle est là-bas. Une grosse piste d'hélico là. Tiens. Chut, t'arrêtes maintenant. Hein? Va te coucher. Allez, top. Il est autoritaire. Ouais, mais je suis pas race, mais en fait, faut pas qu'il le sente. Voilà, donc on se retrouve avec la moto. La moto qui est bien crade, mais voilà. Alors, j'ai pas fait de photo, étonnamment, dans le temple. Je vous ferai les screenshots et tout. Voilà, bon, allez, on retourne un peu. C'était très bien. Allez, paix et prospérité, bonne journée. Merci d'être passé.